جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل قارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد Non, parmi ces titres, il y a Abul Fayd. C'est-à-dire le père ou l'origine ou le creuset ou le départ. Hein? Voilà. Ou, voilà, le détenteur de la des profusions, donc des effluves, des flux. Donc Abul Fayd, Cheikh Mata Tidiane, radiallahu anhu. Donc ça fait partie parmi ses kunya, c'est-à-dire ses surnoms. Abul Fayd, bon, c'est aussi un nom de Cheikh Mata Tidiane, radiallahu anhu. Et c'est Sayyid al-Nazifi, radiallahu anhu, précisément, qui l'a appelé ainsi. Avant, on ne l'appelait pas comme ça. C'est pour ça qu'il dit « Inni karnaytuhu abal fayzi innahu yumidu jami'al awliya'i bi faydati » Donc c'est dans ce livre, c'est-à-dire dans le poème là qu'on est en train de faire le commentaire, qu'il a dit que c'est moi qui l'ai nommé ainsi. Abul Fayd est par inspiration divine. Allah subhanahu wa ta'ala donc m'a donné cette autorisation spirituelle pour que je lui donne ce nom-là. Abul Fayd, c'est moi qui l'ai nommé comme ça. C'est parce que lui, en fait, c'est lui qui approvisionne, hein, qui alimente, qui nourrit tous les saints par ses flux. Voilà, et par ses effluves. Voilà. Radiallahu ta'ala, radiallahu anhu. وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد